Voilà, et bien bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, bien, je vais vous parler d'aviron. En effet, il y a quelques mois, quelques semaines avec Sean, nous sommes allés à Paris et je suis allé faire un petit pèlerinage au sein du club d'aviron dont je suis issu. C'est l'aviron Marne-Joinville. Ce club se trouve à Joinville-le-Pont, bien sûr, comme son nom l'indique. Et il y a deux bases, une qui est de la Marne, sur les bords de Marne, à Joinville, et une autre base qui se trouve sur l'île Fanac, l'île qu'il y a à Joinville-le-Pont. Donc je vais revenir un petit peu sur l'aviron Marne-Joinville. Moi, en fait, j'ai commencé à ramer à Mantes-la-Jolie, et oui, à l'ASM Mantes. Alors maintenant, eh bien, vous connaissez tous tous ceux qui font de l'aviron, le club de Mantes qui se trouve au Val Fouré sur un grand bassin artificiel, qui est vraiment magnifique. Mais à l'époque, moi, c'était avant les années 70, et bien, le club d'aviron se trouvait en plein cœur de la ville de Mantes-la-Jolie. Sous la piscine, en fait, il y avait un espèce de hangar, mais une grande place où on a mis les infrastructures du club d'aviron, juste devant la fameuse collégiale. Oui, c'est pas une cathédrale, c'est plutôt une collégiale, qui est pas très loin d'ailleurs de là, parce que là c'est la Seine en fait, Mantes-la-Jolie, c'est la Seine. Voilà. Donc je suis resté très peu de temps au club de Mantes. Moi, je me rappelle de certains dirigeants comme Monsieur Guyader. Il y avait aussi des rameurs que j'ai rencontrés, d'ailleurs un des rameurs que j'ai rencontré plus tard au bataillon de Joinville, Bosdevex, si son nom ne m'échappe pas. Et en fait, nous avons déménagé avec mes parents et on est arrivé à Fontenay-sous-Bois, et là, eh bien, je cherchais un club d'aviron, et où je suis tombé? Au club nautique de Paris. Alors le club nautique de Paris, eh bien, c'est la base, c'est le club tel qu'on le connaît aujourd'hui de l'aviron Marne-Joinville au 97 quai de la Marne, sur le quai de la Marne. Alors je suis pas resté longtemps au club nautique de Paris parce que celui-ci a fusionné avec un autre club qui était un petit peu plus loin, qui s'appelait l'An 12, et en fait qui a été exproprié à cause de la construction du fameux pont d'autoroute que vous voyez aujourd'hui. Et bien c'est la 1 qui enjambe la Marne, et donc il a été exproprié, et donc il y a eu une fusion. Alors donc, le club nautique de Paris a été fondé en 1891, en fait par un journal qui s'appelait Le Petit, alors je ne sais pas si c'était Le Petit Parisien, ou en tout cas c'est pour ça qu'on l'a, que le club s'est appelé le Club Nautique de Paris, parce que ça avait un lien avec un journal, je crois que c'est Le Petit Parisien. Et donc, à l'époque, eh bien, le Petit Parisien a construit le bâtiment tel que vous le voyez aujourd'hui, et qui s'appelait le Club Nautique de Paris en haut. Et ils ont racheté juste à côté un petit hôtel qui existait, eh bien, qui existe toujours. Et en fait, c'est le club, le fameux club House du club nautique de Paris, là où il y avait les bureaux, il y avait aussi des appartements, il y a toujours d'ailleurs des appartements, et aujourd'hui il y a le bar. Voilà. Donc en 1972, il y a eu la fameuse fusion donc entre l'An 12 et le club nautique de Paris, ce qui a permis au club nautique de Paris de pouvoir faire des travaux, et notamment, eh bien, tout au fond, là, tel que vous voyez là, là où il y a les machines, les ergomètres, les machines à ramer ergomètres, et en fait, en dessous, il y a une machine à ramer avec de l'eau, etc., qui existe toujours, mais enfin qui a été modifiée, je pense, avec une autre fusion qui est arrivée un peu plus tard. Sur la droite, là, il y a une espèce de petit garage à bateaux,
Et effectivement, qui a été construit aussi après la fusion du Club Nautique de Paris, et de l'An 12. Toute cette partie-là que vous voyez, en fait, garage à bateaux et la partie ergomètre, en fait, c'était une cour où on entreposait en fait les véhicules et les remorques. Alors au-dessus du garage à bateau, bien sûr, une salle de musculation. Voilà donc pour la fusion entre le Club Nautique de Paris et la Société Nautique de l'An 12, qui est devenue l'Aviron de Joinville pendant un peu plus de 20 ans. En fait, alors venu de l'An 12, il y avait des rameurs quand même assez prestigieux, notamment Roland Veil, qui a été représentant de l'équipe de France à plusieurs Jeux Olympiques, avec notamment double sieule, je crois, avec un monsieur Larminet qui ramait lui à Lagny. Et donc voilà, donc j'ai ramé à l'aviron de Joinville, et ben pratiquement toute l'existence de l'aviron de Joinville, parce que je suis parti de là en 1992. Et donc j'ai été aussi un des entraîneurs de l'aviron de Joinville. Alors nous avions bien sûr d'autres entraîneurs comme Charlie Imbert qui a rejoint. Bon, il y a eu Roland Veil bien sûr, qui a été un des premiers entraîneurs de l'aviron de Joinville. Il y a eu Charlie Imbert qui nous a rejoint. Moi, je m'occupais plutôt de la partie jeune, c'est-à-dire formation, minime et cadet. Et nous ont rejoint aussi deux rameuses qui ont été aussi dans l'équipe de France, hein, Laurent Sourdel et Anita Origoni. Laurent Sourdel, d'ailleurs, qui a représenté la France aux Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles. Hein, et donc en 1993, je crois, alors là malheureusement je n'étais plus au club, a eu une autre fusion sous l'instigation du président Christian Imbert de l'époque, avec la Société Nautique de la Marne, qui ce club, vieux club sur la Marne, qui était sur l'île Fana, qui a été créé en 1876. Et donc en 1993, il y a eu la fusion Aviron de Joinville, Société Nautique de la Marne, qui a donné l'aviron Marne-Joinville, et qui est certainement d'abord un des plus grands clubs d'Île-de-France et certainement un des plus grands clubs de France, hein, de par ses résultats et aussi de par ses infrastructures, hein, car elles ont gardé les deux bases. En fait, une des bases qui est l'ancien aviron de Joinville sur le quai de la Marne, et la base qui était la Société Nautique de la Marne, qui est toujours sur l'île Fanac, une magnifique base. Alors, sur le quai de la Marne, on a plutôt gardé les équipes de compétition. Et sur l'île Fanac, eh bien, c'est plutôt les débutants, les jeunes et aussi les loisirs. Alors maintenant, eh bien, je vais vous emmener visiter les deux clubs, en fait, les deux bases. On va aller un petit peu se balader. Là, cette partie-là que vous voyez ici, alors donc, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la salle d'ergomètre. En dessous, il y a une machine à ramer qui peut-être un jour sera redécouverte, parce que moi, je trouve que c'était intéressant quand même d'avoir une machine à ramer pour apprendre aux débutants les gestes basiques de l'aviron. Et maintenant, là ici, eh bien, vous voyez ici cette salle, la salle Thomas Santel de Borgne, alors qui était un des rameurs de l'aviron de Joinville, qui malheureusement nous a quittés dans un accident dans les années 90, qui était un de nos rameurs vraiment, vraiment brillant. Et donc,
eh bien, on a donné le nom à cette salle que vous voyez là-haut. Alors cette salle, en fait, elle a une petite histoire parce que c'était en fait l'atelier de réparation des bateaux. Effectivement. Alors d'abord, il faut savoir que ce n'était pas commode pour envoyer les bateaux qui sont quand même assez longs là-haut. C'était tout un, il y avait tout un protocole. Et donc maintenant, l'atelier a été transféré en bas sur le petit garage à bateau, et en haut, et bien maintenant, ce sont des bureaux administratifs. Voilà. Alors, bien, je vous laisse donc apprécier cette petite vidéo. Alors j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Une autre vidéo va arriver. Alors là, ça va être plus sur les Jeux olympiques. Hein. Les Jeux olympiques, bon, ben, viennent de se terminer en 2024 à Paris, sur le bassin de Verdun.
donc j'ai connu la construction du fameux bassin de verre, hein. J'ai même eu l'opportunité de me balader au fond quand il a été creusé avant qu'il soit mis en eau. Et donc je vais vous emmener dans une prochaine vidéo eh bien, sur les lieux des Jeux Olympiques, parce que les prochains Jeux Olympiques, comme vous le savez, ça va être à Los Angeles. Et donc, comme en 1984, il y a eu les Jeux Olympiques à Los Angeles, je vais vous emmener sur le site où il y a eu les compétitions d'aviron, hein, où a d'ailleurs couru Laurence Hourdel, qui était une de mes entraîneurs encore de l'aviron de Joinville. Et aussi, ben, je vais vous emmener sur le nouveau site pour 2028 à Long Beach. Hein. Alors, pourquoi ils ont changé ? Ben, ça, je vous l'expliquerai lors de la prochaine vidéo. Mais enfin, en fait, c'est surtout à cause de la sécheresse, parce qu'il y a quelques années, le site de le lac Casitas, où avaient eu lieu les épreuves d'aviron, eh bien, le niveau avait vraiment, vraiment, vraiment baissé à cause de la sécheresse. Et donc, ils n'ont pas voulu... Alors là, ça a remonté, hein, depuis 2-3 ans, il y a eu beaucoup de neige, beaucoup de pluie, etc. Donc, le niveau est remonté, mais ils n'ont pas voulu vraiment géopardiser et arriver dans 4 ans, pof, il n'y a plus d'eau dans le lac. Donc, ils ont décidé de faire ça à Long Beach, où là, il y a déjà des compétitions. Il y a un beau bassin. Le seul problème, c'est que les compétitions auront lieu que sur 1500 mètres au lieu les 2000 mètres qui normalement sont réglementaires pour les courses d'aviron. Donc, bon, je trouve ça un petit peu dommage, mais enfin bon, on verra. Allez, je vous laisse. À bientôt.